Je vous propose de commencer. Merci beaucoup à tous les participants qui se sont intéressés à ce webinaire, qui nous ont rejoints. Merci beaucoup aux intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire qui nous semble tout à fait bienvenu le jour de la Journée mondiale de l'océan. Parmi les biens publics mondiaux qu'on cherche à protéger, on a bien sûr été tous très sollicités. On a beaucoup réfléchi à la question de la santé comme bien public mondial, mais on a surtout, je crois, tous compris à quel point nos biens publics mondiaux sont inséparables, la biodiversité, le climat, la santé publique et l'océan, qui interagit à la fois avec le climat, avec la biodiversité, et c'est l'océan qui va nous intéresser aujourd'hui. En particulier, la question des plastiques, qui est très médiatisée, mais sur laquelle il nous semble qu'on a besoin de revenir un petit peu en détail, et notamment sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça nous semble être le point le plus important et évidemment le plus difficile. Quelques éléments d'introduction quand même. La pollution plastique de l'océan atteint un niveau alarmant, et je pense qu'il est important de souligner que plus la science nous aide à comprendre le problème, plus c'est inquiétant. On le verra encore avec ce panel aujourd'hui. Les conséquences sont désastreuses à la fois pour les espèces et pour les écosystèmes. Je pense qu'il faut voir non seulement les effets du plastique sur des populations de tortues avec des sacs plastiques, mais il faut aussi se rendre compte. Bonjour Madame la Ministre, merci de nous rejoindre. J'étais juste dans l'introduction. Et donc je disais que les conséquences sur les espèces et sur les écosystèmes sont désastreuses, à la fois dans le volet visible des sacs plastiques pour des espèces clés comme les tortues ou les requins, mais il faut aussi voir tous les effets des micro et des nanoparticules dont on commence à peine à comprendre tous les effets désastreux qu'ils peuvent avoir dans l'ensemble de l'écosystème. Et on en voit la présence jusqu'à 11 km de profondeur, loin des côtes et partout dans la chaîne alimentaire. Donc vous voyez, l'ampleur de ce problème des plastiques est absolument fondamentale. Et c'est aussi non seulement un impact sur l'environnement, mais aussi sur les activités économiques, le tourisme, la pêche, et donc en dernier ressort aussi sur notre santé. Donc comme je le disais en introduction, les biens publics mondiaux sont tous interconnectés. Heureusement, on a eu une bonne couverture médiatique de ce sujet. Et donc, il y a une vraie mise à l'agenda mondial des politiques publiques et aussi à l'agenda national de nombreux pays. On voit des initiatives aussi de la société civile, des associations, des acteurs privés pour nettoyer les plages, pour soutenir la recherche et développement sur le recyclage, sur les alternatives au plastique, sur l'éco-conception. Et on voit des politiques publiques et l'enjeu de. On voit aussi des initiatives pour leur coordination entre les différents pays pour à la fois réduire l'utilisation des plastiques, collecter avant qu'ils n'arrivent dans les milieux marins, et puis tout un tas d'initiatives sur l'économie circulaire. Et on y reviendra bien sûr quand je présenterai le panel, ça sera une évidence. Ce qui nous semblait important, c'est qu'on a donc beaucoup d'initiatives et il y a un vrai enjeu d'assurer la coopération et la coordination, la cohérence entre ces initiatives au bon niveau pour avoir un impact et réussir à traiter ce problème qui est très important et sur lequel on n'a pas forcément l'impression qu'on a aujourd'hui tous les leviers pour à l'échelle de ce problème. Cohérence entre initiatives publiques et privées, synergie entre les échelles. Et puis aussi, je pense qu'une des questions qui nous intéresse, c'est la question du fait de savoir s'il y a un vide juridique, s'il y a un endroit où on devrait créer une coordination, notamment entre les gouvernements, un enjeu de coordination internationale. Et c'est là-dessus que l'IDRI vient de publier une étude, un état des lieux et des perspectives stratégiques pour voir comment agir de concert au mieux pour traiter ce problème. Et donc, à cet effet, et je serai assez court, on a proposé à plusieurs intervenants de joindre ce panel, et je les remercie chacun d'entre eux. D'abord, mon collègue Glenn Wright, qui est chercheur senior au programme Océan de l'IDRI et qui va nous rappeler les points saillants de l'étude de l'IDRI sur l'état des initiatives en cours et les enjeux et les perspectives stratégiques qu'on a identifiées en matière de coordination. Ensuite, Leila Mastertheim, qui est présidente de Plastic at Sea, qui est une grande scientifique spécialiste de l'océan, dont on s'est dit qu'il serait très important que vous puissiez nous raconter, Leila, l'expédition scientifique plastique de la Fondation Tara Océan, à laquelle vous avez contribué, sur laquelle vous avez participé, et les messages clés pour savoir justement comment la connaissance scientifique nous amène éventuellement à continuer à faire évoluer notre point de vue sur le problème et sur les enjeux, et sur est-ce que les solutions sont vraiment à l'échelle de ce qu'on doit faire. Et puis j'aurai ensuite la chance de pouvoir animer un dialogue avec deux interlocuteurs politiques clés,
D'abord, Madame la ministre Poirson, Madame Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire en France. Madame Poirson a porté personnellement la loi sur l'économie circulaire en France et elle est très investie dans le portage de ces questions au niveau international. Et je sais que vous allez devoir nous quitter pas trop tard et donc je me permettrai de vous faire intervenir avant Monsieur Gaetano Leone, contrairement à ce qu'on avait prévu. J'espère que ça convient à votre emploi du temps, Madame Poirson. Merci en tout cas d'être avec nous. Et donc Monsieur Gaetano Leone, qui est coordinateur du plan d'action pour la Méditerranée, un des centres clés du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui vient en appui à la Convention de Barcelone sur la protection de la mer Méditerranée et qui donc fait le lien entre la protection d'une mer commune et les politiques qu'on doit avoir à terre pour la protéger. Il me semble que c'est un des points clés. On a souvent l'impression que le plastique, c'est un problème de l'océan, mais en fait, pour le résoudre, c'est évidemment à terre qu'on doit trouver les leviers d'action et c'est cette articulation-là qui n'est pas évidente. Voilà le dispositif d'ensemble. Après vous avoir donné la parole successivement, Glenn et Leïda, puis avoir échangé organiser un dialogue avec Madame Poirson et M. Leone. Il y aura de la place pour des questions et réponses. Je vous le rappelle, les questions et réponses, il faut que, en tant que participant, le moyen d'interagir avec nous, c'est d'appuyer sur le bouton questions et réponses et d'intervenir par écrit. Et l'équipe de l'IDRI et moi-même, l'équipe de l'IDRI en back-office et moi-même, nous ferons fort de faire la meilleure synthèse possible de vos questions pour les poser aux participants. Sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Glenn. Merci Sébastien. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça marche? Très bien. Ça marche. Donc, merci Sébastien. Je suis Glenn Wright, chercheur à l'IDRI dans l'équipe Océan. Je vais parler brièvement, j'espère, en guise d'introduction et laisser la parole aux autres intervenants. Je vais vous présenter notre étude récente qui fait un bref résumé de la situation actuelle en termes de pollution plastique, qui donne quelques chiffres clés sur le problème et une introduction au cadre juridique existant et les initiatives encore dans le secteur privé et société civile. Et enfin, je vais terminer par quelques points clés pour encadrer la discussion après. Donc, on a fait cette étude récemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication des initiatives et c'est un peu difficile parfois de voir le big picture. Et donc, on a vu le besoin de faire le point sur les différentes initiatives et la cohérence entre elles. Donc, j'imagine que nous connaissons ici les nombreux problèmes posés par la pollution maritime, y compris les plastiques. Donc, je ne veux pas répéter. Je laisse un peu à Leïla discuter ça, c'est pas mon métier, les choses scientifiques. Mais juste pour dire que maintenant, nous estimons qu'il y a entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique qui entrent dans l'océan chaque année. Mais évidemment, c'est impossible de savoir les chiffres précis. Et plus récemment, on s'intéresse de plus en plus aux microplastiques, les minuscules fragments de plastique qui a été dégradé par le soleil et la mer. Et maintenant, les microplastiques, ils sont entrés dans la chaîne alimentaire, notre sel, partout en fait. Et nous ne comprenons pas encore les impacts sur la santé humaine. En termes de gouvernance, on a un cadre de gouvernance assez compliqué, je veux dire. Au niveau national, des gouvernements ont déjà mis en place des lois qui interdisent, par exemple, les sacs en plastique et les autres articles à usage unique. Certains, maintenant aussi, ont commencé à discuter des stratégies pour promouvoir une économie circulaire, donc d'avoir une vision plus large sur les systèmes de consommation et production. Mais il y a beaucoup de défis fondamentaux et systématiques en termes de systèmes de gestion de déchets, nos modes de consommation, de production, etc. Au niveau régional, les programmes de la PNUE des maires régionales s'intéressent depuis très longtemps à la pollution tellurique et beaucoup ont convenu des protocoles juridiques déjà pour coopérer sur ces questions et réduire la pollution.
Et maintenant, il y a un certain nombre de mers régionales qui discutent actuellement des plans spécifiques pour la pollution plastique aussi. À l'échelle globale, il existe beaucoup d'accords déjà qui sont déjà en place depuis longtemps. Par exemple, la Convention sur le droit de la mer, qui est un peu la constitution de l'océan. Cette convention contient déjà des obligations pour la protection du milieu marin. On a aussi la Convention de Londres sur la pollution en mer. Et il existe également des conventions qui concernent les produits chimiques dangereux, comme la Convention de Bâle. Ouais, la Convention de Bâle. Mais évidemment, globalement, c'est un cadre assez fragmenté, pas très bien adapté à un problème comme la pollution plastique qui est vraiment globale et un peu partout. Donc, c'est un peu fragmenté. Il y a une application inadéquate aussi aux principes modernes de gouvernance environnementale, comme le principe de précaution, ecosystem approach et tout ça. Et en général, les conventions manquent un mention ou une couverture spécifique des microplastiques ou la pollution plastique en général. Donc, dans cette étude, on fait un petit résumé des initiatives privées qui existent déjà. Donc, je ne vais pas parler en détail ici, mais juste pour souligner qu'il y a des efforts, par exemple, pour nettoyer la pollution directement. Il y a le travail des organisations comme Tara pour faire avancer notre compréhension scientifique des enjeux. Évidemment, il y a pas mal d'efforts volontaires maintenant du secteur privé aussi qui veut promouvoir l'économie circulaire et qui éclaire la responsabilité des producteurs aussi. Donc, pour conclure avec quelques messages clés, évidemment, la pollution, comme Sébastien a dit, plastique dans l'océan est alarmante. Il y a multiplication des initiatives à différentes échelles, mais parfois l'articulation entre eux, ce n'est pas vraiment clair. Et maintenant, la communauté internationale a commencé de discuter un peu l'opportunité d'élaborer un instrument juridiquement contraignant. Ça veut dire un nouvel traité spécifiquement pour combattre la pollution plastique dans l'océan. Mais on sait tous que notre expérience récente avec les négociations multilatérales nous invite un peu de considérer tous les options complémentaires aussi, parce qu'on sait que c'est un long chemin d'ici là à conclure un nouvel traité. Donc, pardon. Donc, il faut considérer aussi les options pour soutenir les initiatives existantes, comme les mers régionales, pour renforcer les cadres juridiques qu'on a déjà, comme les conventions Stockholm et Bâle, et faire une meilleure coordination entre eux. Et enfin, il est clair aussi qu'il s'agit d'un immense problème mondial qui ne peut être résolu qu'avec les efforts des gouvernements, du monde scientifique, du secteur privé et de la société civile aussi. Donc, c'est un peu un problème global pour tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup Glenn pour ce panorama très rapide mais très utile à la fois du problème et des initiatives en place pour essayer d'agir sur ce problème. Leila Mastertheim, je vais vous passer la parole un peu pour vous dire, en vous interrogeant au fond sur qu'est-ce que l'expédition scientifique Tara nous apprend de plus, soit en se disant qu'il faut... on apprend des nouveaux problèmes, soit aussi en se disant, tiens, mais en fait, la manière dont on pense avoir trouvé les bonnes solutions, est-ce que ça reste les bonnes? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre exactement à ces questions, mais je pense que c'était l'idée de vous donner la parole après, en se disant que le diagnostic scientifique est encore en train d'évoluer, et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Tout à La fait. parole est à vous. Je vais partager également mon écran. Vous voyez vous-même, ça n'a pas d'intérêt. En fait, Voilà. il faut que vous passiez d'abord en diaporama et ensuite vous partagez. Ah ben non, c'est bon, pardon.
Ça marche aussi, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je m'appelle donc Leila Meistertzai, mais en fait je vais représenter ici une somme de scientifiques en fait, qui a été impliquée dans le cadre de cette mission. Donc, c'est la mission Microplastique 2019, organisée par la Fondation Tara Océan, et qui a la particularité en fait, de nous avoir mis à disposition en fait, un bateau, donc la goélette Tara, et ce pour faire en fait, le tour des fleuves en Europe. Donc, le but de cette mission, c'était s'intéresser donc, à cette problématique de la pollution plastique. Et en fait, cette question, elle a déjà été un peu mise en exergue par des scientifiques depuis environ une dizaine d'années. Et d'un point de vue pratique, 10 ans pour des scientifiques, finalement, c'est pas très long, en fait, en vrai. Donc, ce qui a pu être réalisé dans le passé, c'est de démontrer que les plastiques étaient partout. Donc, ça a été un des résultats majeurs d'une des expéditions également faites par Tara Océan en Arctique. Donc, on a retrouvé des microplastiques même dans les glaces de l'Arctique. Et par la suite, on a pu le retrouver partout ailleurs. En 2014, il y a eu une mission qui était spécialisée en particulier sur des microplastiques, donc sur la transformation en fait, de ces plastiques en microparticules. En gros, l'effet des UV, de la température et puis les effets mécaniques vont agir en fait, sur la stabilité en fait, d'un plastique et vont le faire se transformer en quelque chose de plus petit qu'on appelle un microplastique, c'est-à-dire une particule de moins de 5 mm. Ça représente la taille d'un grain de riz, qui va avoir des effets en fait plus encore désastreux sur l'environnement que ce qu'on peut imaginer. Donc l'idée, c'était de travailler là, en 2014, on avait travaillé sur la mer Méditerranée. Et ce qu'on avait pu identifier à l'époque, c'est que dans certains endroits de la mer Méditerranée, on avait autant de microplastiques que de zooplancton. Et en fait, c'est ce qui est la source de la nourriture de certaines espèces de poissons. Donc ce qui veut dire que dans l'assiette d'un poisson, on avait moitié de plastique, moitié de ses proies naturelles, ce qui voulait dire que le poisson mangeait du plastique et que nous, derrière, nous mangeions du poisson. Donc d'un point de vue pratique, on allait directement retrouver ce plastique dans notre assiette à nous. Donc à l'époque, l'étude s'était focalisée sur la mer Méditerranée et le but, c'était de mieux comprendre cette quantité et de mieux comprendre les sources de ces plastiques. Aujourd'hui, les dernières estimations, la moyenne, c'est 8 millions de tonnes par an. C'est basé sur des modèles mathématiques. En gros, on rentre dans des calculs mathématiques des densités humaines et également nos usages, donc la façon dont nous, on utilise et on collecte nos plastiques. Et ces résultats avaient permis d'arriver à ce 8 millions de tonnes par an qui correspond environ à un camion ben par minute. Donc, ces plastiques se retrouvent dans des quantités extrêmement fortes dans l'environnement. Et si on regarde ces déchets qui sont en mer, 80% viennent finalement de la terre. Donc, cette pollution vient bien de la terre et elle va vers la mer. Donc, le but de la mission de l'année dernière, donc elle a eu lieu de mai à novembre, elle avait pour but d'essayer de mieux comprendre en fait ces estimations, donc d'essayer de retrouver finalement ces 8 millions de tonnes par an et d'aller identifier les sources exactes de ces plastiques, d'essayer de voir du coup comment ils peuvent devenir dans nos rivières et donc comment ils allaient se retrouver en mer derrière, et également d'avoir une idée de leurs impacts sur l'écosystème aquatique et après marin. Donc, il faut savoir qu'un plastique, lorsqu'il est dans l'eau, en fait, il n'est pas inerte. Il va se retrouver colonisé par des organismes vivants, donc ce qu'on appelle des micro-organismes. Donc, ça va inclure des bactéries, des virus, ça va inclure des champignons aussi, et puis d'autres espèces, des larves, qui vont utiliser le plastique en fait, pour se déplacer d'un point A à un point 2, comme un radeau. Donc, ce qui veut dire que ces plastiques ne sont pas juste des problèmes mécaniques, c'est un stress, en fait. C'est une somme de facteurs qui va être problématique pour les autres organismes. Donc, on a tout de suite l'idée, effectivement, de ces baleines, donc de ces grands mammifères qui sont touchés par les plastiques parce que ces plastiques se retrouvent dans leurs estomacs et du coup remplissent l'estomac, ce qui fait que ces organismes meurent de faim parce qu'ils ne sont pas capables de digérer le plastique. Eh bien, il faut se rendre compte que si le plastique est plus petit, ça veut dire qu'on va juste toucher des organismes qui sont de plus en plus petits. Donc, ça veut dire qu'on va potentiellement rentrer dans la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on a pu prouver sur le poisson, mais ça veut dire que ça pourrait toucher à tous les autres organismes. Aujourd'hui, on a retrouvé des microplastiques dans les fosses des Mariannes, donc à 11 000 mètres de profondeur, ce qui est assez dramatique pour nous. Donc, notre but ici, ça va être, grâce à la goélette Tara, de parcourir en fait, l'Europe et de remonter dans ces fleuves pour essayer de mieux comprendre en fait, la sortie, les quantités de plastique de la mer vers la terre. Donc, sur ce bateau, pendant 6 mois, on a eu 5 scientifiques qui ont tourné. Donc, ça représente 45 scientifiques et 45 scientifiques qui étaient à chaque fois impliqués dans ces missions et ça représente 15 laboratoires.
Donc, ces scientifiques étaient impliqués avec des compétences particulières. Donc, certains étaient spécialisés des plastiques, d'autres étaient spécialisés des flux ou même des effets sur les organismes. Et ça nous a permis, en fait, chacun d'obtenir une vraie diversité de connaissances sur chacun de nos échantillons. Donc, dans la façon dont nous avons travaillé, nous avons fait des différents prélèvements de la mer vers la terre. Donc, c'est ce qu'on appelle le continuum terre-mer. Avec vraiment la vocation, un, de quantifier, donc de savoir combien de microplastiques, combien de plastiques on pouvait retrouver de la mer vers la terre. Et on l'a fait grâce à des filets flottants, donc c'est ce que vous voyez représenté sur une des images, sur la goélette Tara, mais également à l'aide de petites embarcations. Et puis nous avons également quantifié ces microparticules et également les gros déchets plastiques sur les berges et sur les plages grâce à un protocole européen qui est proche de ce qu'on appelle le protocole OSPAR qui nous permet en fait d'avoir une vision de la quantité de gros déchets et de petits déchets dans nos environnements. Nous avons également, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons également travaillé sur des organismes vivants, donc sur des moules en particulier, avec le but d'essayer de mettre en place un nouveau bio-indicateur de la pollution en microplastique dans l'eau. L'idée, c'est d'utiliser un organisme vivant qui filtre l'eau en permanence, comme une bouche ouverte en fait, sur l'environnement, qui serait capable de bioaccumuler des microparticules. Et donc, nous, en utilisant cet organisme-là, on pourrait quantifier la pollution en microparticules. Donc, on a vraiment essayé de traiter un maximum de classes de taille de ces déchets, donc du gros déchet vers le tout petit déchet et on est même allé jusqu'au nanoplastique. Donc cette étude aujourd'hui, elle nous a permis on a fait 17 000 km avec la goélette Tara, on a récupéré jusqu'à 2700 échantillons en tout, donc ça représente pour nous 2 années de travail, hein, même pour 45 chercheurs, puisqu'en fait chaque échantillon va être traité de manière successive par différents types d'analyses pour obtenir un maximum de données dessus. Donc, il va falloir un peu de temps pour qu'on puisse ressortir la totalité des données. Mais on a pu ressortir quand même 3 observations majeures et qui sont particulièrement importantes. La première, c'est qu'on a pu trouver des plastiques partout. Donc, ces microplastiques sont omniprésents dans les fleuves européens. Donc, c'est une assez mauvaise idée, une assez mauvaise nouvelle, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit aujourd'hui qui est complètement exempt de microplastiques. Donc, c'est une première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a pu identifier que le processus de fragmentation, c'est-à-dire la transformation de ce macro-déchet en micro-déchet, il a lieu en amont de l'océan. Ce qui veut dire que si on partait du principe que pour nettoyer nos fleuves, on pouvait mettre en place des systèmes de barrages flottants pour essayer de récupérer ces déchets, c'est déjà trop tard, puisque cette pollution, ces plastiques-là, se sont déjà transformés en microplastiques et qu'ils sont déjà rentrés en fait, dans l'environnement. Ce que ça a permis de démontrer également, c'est que c'est bien de la Terre que proviennent l'ensemble de ces déchets, et que la solution aujourd'hui, elle est bien à terre et qu'il faut agir au niveau en amont en fait, de cette pollution. Enfin, ce qu'on a pu déterminer, donc ça, c'est des premiers résultats qui ont pu sortir, c'est que les plastiques agissent comme des éponges à polluants. Donc, en fait, pour vous faire une idée un petit peu, si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez 2 gouttes d'huile dedans, les 2 gouttes d'huile ont une tendance à se rapprocher, à se coller l'une à l'autre par attraction chimique. Et bien, en fait, les plastiques réagissent de la même façon avec des polluants chimiques. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir une tendance à agglomérer à leur surface des polluants comme des pesticides, des hydrocarbures et des métaux lourds. En plus de ces polluants, on sait nous aujourd'hui qu'à la surface de ces microplastiques, on va trouver également ce qu'on appelle des agents pathogènes, donc des bactéries, certains types de virus, voire même des champignons, qui peuvent ne pas avoir d'effet sur l'environnement, mais qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur certaines espèces aquatiques, voire même parfois sur l'homme. Donc, il est possible également que ces plastiques soient une voie de transfert de maladies potentielles dans l'environnement. Donc, quelque chose qui réellement impactera notre santé à nous dans un futur, pour l'instant, qu'on ne peut pas imaginer. Donc, l'ensemble de ces données, aujourd'hui, elles continuent d'être analysées. Donc, il faudra beaucoup de temps encore pour faire ressortir les points clés. Mais on a quand même des points forts qui ressortent et qui permettraient de limiter l'impact de ces plastiques sur l'environnement. Le premier point qui ressort pour nous, clairement, c'est la suppression de l'emballage plastique là où il n'a pas lieu d'être.
c'est le cas en particulier des fruits et des légumes qui n'ont pas besoin forcément d'être emballés dans du plastique, surtout lorsque des alternatives sont possibles. Et puis également la définition d'un produit en plastique à usage unique. Dans ces produits à usage unique, pour nous, on inclut également des produits qui contiennent une partie de plastique et qui, lorsqu'ils se retrouveraient dans l'environnement, pourraient augmenter du coup la libération de microplastiques et donc avoir un effet désastreux finalement sur l'environnement. Enfin, une des solutions qui reste la plus facile pour nous aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est la mise en place de la consigne, puisque cette consigne permettrait de récupérer des plastiques dont la composition chimique est connue et qui permet leur recyclage. Puisqu'aujourd'hui, pour permettre le recyclage, on a besoin de connaître très exactement la composition du plastique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Leïla. C'était vraiment important d'avoir tout ce panorama de où en est le front de la connaissance et ce que vous conseillez, vous aussi, du point de vue des scientifiques en matière de solutions pour agir. Je me tourne tout de suite vers Madame Poisson. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la Ministre. Leïla, peut-être que je peux vous demander d'arrêter le partage. Merci beaucoup. Madame Poisson, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu un peu le constat à la fois du fait que plus la science avance, plus c'est grave et plus ça complique aussi la vie des solutions qu'on peut essayer de trouver, hein, enfin la vie des industriels quand ils cherchent à trouver des solutions de substitution. C'est en tout cas ce que j'entends un petit peu. Et donc la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est... comme le soulignait Glenn Wright en introduction, il y a déjà pas mal d'actions qui sont en place du côté des autorités publiques. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points clés pour vous de la loi que vous avez défendue en matière de lutte contre les pollutions plastiques en France ? Merci beaucoup. D'ailleurs aussi, j'en profite pour vous remercier pour votre étude parce que elle va nous être très utile. Effectivement, on trouvait aussi qu'il y avait un foisonnement d'initiatives et c'était pas toujours très facile de s'y retrouver. Bref, ça va nous aider, je l'espère, à être plus efficace. En tout cas, donc merci. Nous, notre loi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, en fait, elle a comme objectif principal, mais vraiment principal, de transformer en profondeur nos modes de production et de consommation. En gros, la vision de la loi, c'est de sortir de la société du tout jetable, qui caractérise vraiment, c'est la caractéristique numéro un de notre économie, pour aller vers une société du tout réutilisable. Alors, généralement, quand je dis ça, j'ai à peu près perdu la moitié des gens dans la salle. Alors, je ne serai peut-être pas votre cas ici, mais très souvent, on dit que je suis totalement utopique et que ce n'est absolument pas réaliste. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu, nous, au ministère de la Transition écologique et solidaire, depuis longtemps. Mais je pense que c'est de toute façon indispensable. Comme les chercheurs viennent de le démontrer, en particulier Tara, ça ne servira à rien, ou pas à rien, pardon, je ne devrais pas dire ça, mais à beaucoup moins de choses de travailler sur l'aval. J'ai vécu en Inde et dans des pays comme ça. Si on ne change pas nos modes de consommation, nous n'y arriverons pas. Donc, on essaye déjà de ce qu'on prêche à l'extérieur, de se l'appliquer à nous-mêmes. Alors, du coup, il y a trois piliers principaux pour faire cette bascule vers le tout réutilisable. C'est d'abord réduire drastiquement la quantité de plastique qu'on utilise et qu'on consomme. Ensuite, c'est bien sûr réemployer et ensuite recycler. Et puis enfin, mieux collecter, mieux gérer nos déchets pour qu'ils n'arrivent pas dans l'environnement. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, quand je parle de réduire, ça veut dire réduire la part de plastique à usage unique avec des interdictions, effectivement, de produits. Donc, il y en a toute une série. Par exemple, à partir du 1er janvier 2021, il y en aura presque une quarantaine. Je vous épargne la liste, mais il y en a une grande quantité. Ce qu'on a fait comme choix, qui a été extrêmement critiqué par les médias, par beaucoup de Français, etc. En réalité, quand on parle d'interdiction de plastique à usage unique et qu'on a une liste, ça veut dire qu'on ne fait pas le travail jusqu'au bout. Parce que vous aurez beau avoir une liste, elle n'est jamais suffisamment longue et suffisamment large. Donc, il faut avoir une approche en se disant que c'est plutôt une quantité, un poids, un volume de déchets qu'il faut réduire, avec comme vision exactement ce que disait la chercheuse Leïla, c'est justement de se dire, OK, à partir du moment où l'emballage n'est pas indispensable, il faut qu'on s'en passe.
Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec un objectif. Là aussi, qui a été très critiqué, c'est l'objectif de 2040. Mais 2040, ce n'est pas pour repousser l'objectif loin, c'est pour pouvoir justement nous permettre de commencer à travailler dès maintenant. Et donc actuellement, et c'est là-dessus, c'est sur ça que le MEDEF a demandé un moratoire, c'est que dès aujourd'hui, nous travaillons sur un décret d'application qui va se mettre en œuvre là, au 1er janvier 2021, sur un décret d'application qui vise à définir justement ces volumes de plastique qui vont être enlevés du marché, en tout cas arrêter d'être commercialisé. Et ça, on veut des plans tous les 4 à 5 ans, en gros des décrets quinquennaux, qui vont nous permettre d'arriver, 4, pour nous permettre d'arriver en 2040 à une société du tout réutilisable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne transforme pas la société du tout jetable au tout réutilisable en disant on va supprimer les pailles, les couverts en plastique. Les... Voilà, je ne nie pas le fait que ça doit être absolument crucial. Hier, j'étais au Cap Ferret, j'ai participé à nettoyer les plages. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Des milliers, enfin, des centaines plutôt, de coton-tiges en l'espace d'une demi-heure. Donc, je ne nie pas que tout ça, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Bref, donc réduction en amont. Deuxièmement, il faut aussi qu'on augmente nos capacités de collecte, de tri et de recyclage. En France, disons-le, là aussi c'est pareil, dès que je dis ça, je me prends, pour le coup sans mauvais jeu de mots, une vague de la part en particulier de ceux qui gèrent le système public des déchets en France, ils le font remarquablement bien. Mais ça ne suffit pas. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de grande loi en France sur les déchets. On collecte nos déchets en France, d'abord, un, on ne sait pas précisément ce qu'on collecte, parce que je vous jure que j'ai travaillé dans des pays émergents, dans des pays en voie de développement, en France, on n'a pas plus de données sur nos propres déchets. Donc, il faut remettre tout ça à niveau, il faut faire un vrai bond, il faut transformer et faire basculer ce système de collecte en France et de gestion des déchets qui n'est pas encore au niveau de performance qui doit être attendu de n'importe quelle nation qui se respecte au 21e siècle. Donc là aussi, on va par exemple, on a quasi doublé le nombre de filières REP, de responsabilité élargie des producteurs, ces systèmes de pollueurs-payeurs, de façon à ce qu'on développe de façon beaucoup plus massive, bien évidemment, la collecte, c'est-à-dire qu'on aille récupérer. Est-ce que vous vous rendez compte en France qu'il y a encore, le chiffre m'échappe au moment où je vous dis, mais il y a encore plusieurs centaines de milliers, par exemple, de vélos qui se retrouvent dans des décharges, c'est-à-dire ou en incinération. Enfin, c'est délirant. Alors qu'ils pourraient être récupérés, tout ça déjà, c'est de l'emploi local, récupérés, réparés, recyclés, réutilisés, revendus à ceux qui en ont besoin pour moins cher. Je ne dis pas qu'on peut faire ça sur tous les produits, parce qu'il y a quand même des notions d'efficacité économique, mais quand même, arrêtons de marcher sur la tête. Donc ça, on veut le développer de façon massive. Pareil pour l'électronique, l'électroménager, les jouets, les articles de sport, les articles de bricolage. Bref, il y a là aussi, je ne vous fais pas la liste, mais c'est majeur. Enfin, ce qu'on veut aussi, c'est que la notion de responsabilité des entreprises, elle ne soit pas uniquement sur l'amont. Sur l'aval, pardon. C'est-à-dire une fois que le produit, il est devenu un déchet. Ce qu'on veut aussi, c'est que les entreprises pensent environnement à partir du moment où elles conçoivent le produit qu'elles vont commercialiser. Concrètement, est-ce que le jouet, par exemple, que je vais commercialiser, est-ce qu'il est facilement démontable, réparable, récupérable, réemployable ? C'est ça, vraiment, la vision derrière ça. Donc, éco-conception et lutte contre l'obsolescence programmée, allongement de la durée de vie des garanties, tout ça, c'est aussi au cœur de la loi. Donc, on a vraiment un socle pour transformer nos modes de production et de consommation. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il nous faut aussi travailler au niveau européen. C'est pour ça que ça fait 3 ans qu'avec d'autres ministres de l'environnement européen, on a fait beaucoup pression sur la Commission pour que l'économie circulaire deviennent vraiment en fait la vision de l'économie européenne. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté, que ça a fini par fonctionner. On a un plan économie circulaire qui a été lancé au niveau européen, qui va être un des axes clés du pacte vert. Et là encore, il faut essayer d'aller encore plus vite. Alors comment on fait pour aller encore plus vite que la législation et encore plus vite que les États, encore plus vite que l'Europe, eh bien on travaille avec les entreprises les plus mobilisées. On essaye de créer de l'émulation, c'est-à-dire notamment par le biais de pactes. Donc, on réunit les entreprises qui sont soit qui sont leaders sur leur marché, soit qui ont envie de le devenir, et on leur demande de prendre des engagements très concrets, publics, pour faire beaucoup plus.
L'objectif, c'est d'avoir 30% des entreprises d'un secteur donné. Parce que comme ça, ça crée des effets de bascule. C'est-à-dire que si vous avez 30% des entreprises d'un secteur qui s'engagent à faire plus, mais attention, ça ne suffit pas de faire bien sur la photo avec une ministre et une ONG. Il faut ensuite tout un cadre de vérification des engagements, des avancées du travail, etc., qui n'est pas fait par l'État, qui est fait par des ONG indépendantes. Et en l'occurrence, par exemple, on a lancé un pacte national sur les emballages plastiques, c'est fait par la Fondation Ellen MacArthur et par le VVF. Ce sont eux qui vérifient de la bonne avancée. Et pourquoi ce pacte-là? Pourquoi j'y tiens? Et non, ce n'est pas du greenwashing. C'est parce qu'en fait, ça permet d'aller plus vite, comme je le disais, plus vite que la législation. Et donc, si vous avez 30% des entreprises d'un secteur qui s'engagent, ça crée un effet de bascule. Parce que les 70% qui ne sont pas engagés, vous pouvez les pointer du doigt en disant « vous n'avez pas d'excuses ». Si 30% se sont désengagés, les 70% qui ne sont pas engagés, en fait, c'est juste que vous êtes trop lent et que vous pourriez faire beaucoup plus. Et ensuite, si on a 30% des entreprises qui se sont engagées, vous pouvez aller voir l'Union européenne, la France, nous-mêmes. Moi, je peux aller voir mes petits collègues à Bercy ou ailleurs en leur disant, ce n'est pas une élucubration d'une ministre idéologique, c'est bien que les entreprises sont prêtes et que nous devons y aller, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas légiférer. Bref, je crois que je parle trop lentement, je ne veux pas être trop lente, mais voilà ce que je voulais dire déjà en guise d'introduction. Merci beaucoup, vous avez couvert beaucoup de points parce que j'allais justement vous interroger sur les échelles de gouvernance et sur le fait qu'au-delà des autorités publiques, c'est évidemment une mobilisation de plusieurs acteurs qui est nécessaire. Je vois beaucoup de questions dans le chat qui sont autour du retour du plastique à la faveur de la crise sanitaire. Les masques, les emballages de sanitaires aussi sur les produits alimentaires, j'imagine. Hein. Et donc, je me demandais si vous aviez, à l'échelle de votre ministère, une vision de comment la crise sanitaire risquait en fait de remettre le plastique au goût du jour pour des raisons sanitaires qu'on peut comprendre. Et si vous aviez des éléments d'approche pour répondre à cette problématique. Alors, clairement, c'est un drame, hein. La crise du coronavirus, moi, ma crainte, c'est qu'elle nous fasse vraiment faire des bonds en arrière. Je peux vous dire une chose, c'est que l'industrie du plastique à usage unique est en train, cette journée mondiale des océans, mais clairement en train de surfer la vague. C'est très clair, avec des techniques que moi, je connais pour les avoir franchement éprouvées. Ça consiste d'abord à faire des amalgames entre l'usage unique médical, sanitaire et l'usage unique plus général dans tous nos plastiques du quotidien. En plus, quand on voit le travail, par exemple, de Tara, c'était très intéressant. Du coup, c'est vraiment une approche scientifique. Et moi, je vais vraiment essayer de partager cette étude plus largement. On voit très bien que le plastique n'est pas du tout une barrière au quotidien contre, par exemple, certains virus, etc. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que pour des raisons logistiques et sanitaire, on soit passé au tout jetable à l'hôpital, certes. Moi, je pense qu'on peut là aussi encore ouvrir des champs. Mais bon, c'est le domaine médical, sanitaire, la vie humaine est en jeu, donc c'est la priorité. Mais sur le reste, clairement pas dans les plastiques du quotidien. Donc, un, ils font cet amalgame-là. Deuxièmement, ils font dire un peu ce qu'ils veulent aux études scientifiques. Je le vois très clairement. Ils ont utilisé certaines études et contrairement, par exemple, au lieu de comparer le plastique avec certaines matières sur lesquelles le coronavirus reste moins longtemps, ils vont comparer le plastique à des matières sur lesquelles le coronavirus reste plus longtemps encore pour montrer que par contraste, le plastique reste moins. Donc tout ça, ça veut dire, en gros, c'est des techniques de communication qui visent à faire dire un peu ce qu'on veut à des études scientifiques. Et enfin, je vois aussi que c'est vraiment une initiative, pour le coup, de certains lobbies de la plasturgie, tout simplement parce que ce sont les vieux mêmes arguments. Franchement, dans les tiroirs du ministère de la Transition écologique et solidaire sont pleins, c'est-à-dire les mêmes lettres avec les mêmes éléments de langage, les mêmes approches, etc., pour défendre le plastique à usage unique. Et effectivement, je pense que c'est mortifère. Je l'ai dit très clairement au MEDEF, demander un moratoire sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, contrairement à ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont demandé. Et je pense qu'il faut qu'on continue à lutter, à alerter, avec des travaux des scientifiques, etc., plus que jamais.
nous, moi, je me bats autant que je peux pour justement revenir là-dessus. C'est ma crainte. C'est pour ça qu'on ne lâchera rien sur les travaux sur des rédactions des décrets d'application sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais c'est aussi pour ça que des initiatives comme votre séminaire aujourd'hui, comme des collaborations scientifiques internationales, comme ce qu'on fait dans le cadre de l'ANUE, etc., sont plus importantes que jamais. Et le gros piège, c'est que là, comme on peut moins se voir physiquement, comme l'année 2020 qui était censée être la super année pour l'environnement, elle est super year, comme ils disent, pour l'environnement et la biodiversité, en fait, a plus de difficultés à se mettre en place. Là, il peut y avoir un vide qui peut être extrêmement dangereux et extrêmement grave. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit très, très vigilant. J'étais un peu longue, mais c'est une question qui me tient à cœur parce que c'est aussi des révolutions qui sont culturelles, des changements. Et on voit que parfois, j'en finirai là, mais on voit que parfois, mais certaines entreprises, et je ne leur jette pas à toute la pierre, mais certaines, je dis bien certaines, ont et prennent des décisions qui ne sont pas toujours basées sur la science. Je pense notamment, par exemple, à des chaînes de supermarchés qui, sans preuve scientifique, ont décidé de supprimer les rayons vrac. Ça, c'est un immense recul. Parce que tous les gens qui avaient l'habitude, en fait, qui avaient mis le vrac dans leur quotidien, ils vont devoir maintenant refaire un effort colossal. Il va falloir aller rechercher des gens pour à nouveau changer les comportements. Bref, voilà. Merci beaucoup. J'ai deux questions. J'ai encore un peu de temps. Une question issue du chat et puis une question que je voulais vous poser pour faire la transition avec M. Gaetano Leone. La question issue du chat, c'est qu'on a des questions assez spécifiques qui disent, mais pourquoi ne pas interdire, par exemple, les bouteilles plastiques, bêtement ? Pourquoi ne pas interdire les lingettes ? Et donc, peut-être que ça peut, à partir de ces questions, vous permettre de nous dire un peu dans quelle logique vous avez travaillé et donc être un peu plus précis sur la manière sur l'approche que vous aviez mentionnée tout à l'heure. Alors, très clairement, sur l'interdiction des bouteilles en plastique, déjà, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va les diviser par deux. Le nombre de bouteilles en plastique, on les divise par deux. Là, le nombre de bouteilles commercialisées d'ici 2029, premièrement. Deuxièmement, il y a toute une autre série de mesures, etc. Par exemple, si des grandes entreprises de la boisson subventionnent des événements, eh bien, ils n'auront pas le droit d'imposer la distribution de bouteilles en plastique. On va aussi demander aux gares, aux aéroports, etc., ils auront l'obligation de mettre des fontaines publiques à nouveau. Bref, là aussi, je ne vais pas vous faire toute la liste des mesures qui sont dans la loi, mais il est très clair que notre objectif à terme, il est de pouvoir nous passer au maximum d'un certain nombre de bouteilles en plastique. Il y a encore des usages qui sont nécessaires et des utilisations qui sont importantes sur la bouteille en plastique. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'option de la supprimer directement et tout simplement. Mais sur le débat sur l'interdiction des bouteilles en plastique, donc, je vous ai donné les objectifs, mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui ne vise pas du tout, au contraire, à pérenniser la bouteille en plastique, mais bien à basculer hors de cette surdépendance à la bouteille en plastique. C'est le système de consigne que nous voulions mettre en place. Là aussi, il y a une alliance très claire, très très claire, entre des industriels et certains élus locaux. J'ose le dire. C'était des alliances de circonstances parce qu'il y avait des objectifs politiques avec un congrès, par exemple, de l'AMF qui arrivait à la fin de l'année pendant la loi. Je ne vous fais pas tout le détail technique, mais il y a eu une connivence entre des objectifs politiciens et des objectifs industriels et économiques. Notre vision sur la consigne sur les bouteilles en plastique, elle était de basculer vers des systèmes locaux d'emballage de boissons en verre. On sait très bien que faire circuler des bouteilles en verre sur tout le territoire français, il y a une certaine limite en termes de kilomètres et kilométriques, au-delà duquel l'impact environnemental d'une bouteille en verre elle est supérieur à l'impact environnemental d'une bouteille en plastique. C'est pour ça que nous, ce qu'on voulait faire, parce que c'est aussi source d'emplois locaux, c'est que la bouteille en verre finance le basculement et la généralisation, le retour vers les bouteilles, c'est que la bouteille en plastique finance le retour vers les bouteilles en verre. Mais aussi, bien sûr, c'est pas la panacée des bouteilles en verre, qu'on change nos habitudes, qu'on utilise des gourdes et que ce soit beaucoup plus facilement accessible dans le domaine public, les fontaines publiques, etc. Donc là aussi, c'est un basculement progressif, mais très certain, vers une société où on est beaucoup moins dépendant de boissons en plastique.
Merci beaucoup pour cela. Il y a aussi des questions sur est-ce qu'on pourrait laisser des régions comme la Guadeloupe avoir une initiative pilote pour remettre en place les consignes, etc. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est imaginable, que la France fonctionne de manière un peu expérimentale, décentralisée ? Alors, tout à fait, absolument. Moi, je soutiens totalement cette initiative-là sur la consigne. J'espère d'ailleurs pouvoir voir ça de plus près prochainement, mais très clairement. Et c'est intéressant parce que vous parlez d'initiative régionale. Je pense qu'effectivement, en matière d'économie circulaire, il faut repasser à l'échelle régionale. C'est pour ça que dans la loi, et croyez-moi, ce n'est pas courant que l'État accepte de donner ou en tout cas de remettre à un échelon plus local certaines de ses compétences. Et c'est ce qu'on a fait en matière d'économie circulaire. Je pense que la région est la bonne échelle. Et c'est pour ça que dans la loi, cette compétence-là, eh bien, elle va aller aux régions. Et donc, j'encourage tout à fait des initiatives individuelles comme celle de la consigne dans les Outre-mer, en particulier en Guadeloupe. À noter que sur le territoire français, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur la consigne, mais en fait, on aurait besoin de fonctionner à l'échelle nationale en France. J'ai une dernière question et après je vous libère. Merci beaucoup pour votre patience. Merci à vous. C'est pas la moindre des questions, c'est que vous avez été élu vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, Glenn Wright a évoqué l'idée d'une potentielle négociation sur un nouvel accord international pour lutter contre les plastiques. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de cette initiative et de comment vous allez y travailler ou pas à votre échelle ? Je pense que c'est une initiative qui est fondamentalement importante. On la pousse énormément. À l'échelle globale internationale, comme Glenn Wright l'avait souligné, c'est assez difficile, ce qui ne veut pas dire qu'on continue à essayer. Et on fait des progrès. Il y a des pays, par exemple, certains pays asiatiques, que je nommerai pas forcément ici, qui s'y opposaient extrêmement frontalement et violemment à toute initiative visant à limiter la production et l'utilisation du plastique, en particulier du plastique à usage unique. On voit qu'il y a des avancées et en particulier, une des choses et une des façons en fait, de contourner les résistances des États, c'est là aussi d'aller chercher ce que j'appelle des formes de collaboration extrêmes, c'est-à-dire des nouveaux outils et des nouvelles initiatives de collaboration avec des entreprises privées, en particulier issues des pays qui veulent le moins avancer. C'est une façon de contourner les nations les plus lentes. On arrive et on travaille directement avec la société civile, avec les entreprises, avec les ONG internationales pour pouvoir ensuite prouver aux pays les plus réfractaires et les moins mobilisés qu'en fait, leurs propres entreprises sont mobilisées pour avancer. C'est tout l'objet du One Planet Summit, par exemple, qui a été lancé par le président de la République. Là encore, ce n'est pas de la com, c'est vraiment, ça a pour objectif d'accélérer certaines initiatives. Je vous parle, par exemple, je vais vous citer, par exemple, le Fashion Pact, le pacte mondial sur la mode. Ça a été assez décrié, là aussi, encore qu'en France, hein. Ailleurs, non, quand ça a été lancé. Mais il ne faut pas oublier, maintenant, c'est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Mais quand j'ai commencé à travailler là-dessus, très peu avaient conscience du fait que nos vêtements sont des sources majeures de pollution plastique. En particulier, quand on les lave, il y a toute une série de microparticules de plastique qui sont relâchées dans l'environnement, mais je ne vais pas parler surtout en face de Tara, etc. Et Leïla, je ne donnerai pas dans des explications scientifiques, mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était avancer sur ces questions-là. Croyez-moi, avec plein de pays autour de la planète, c'est impossible, parce qu'il y en a certains dont l'économie est très dépendante du textile, d'autres enfin, à tous les niveaux, soit parce que c'est au niveau je pense à des pays asiatiques, soit à des pays même comme la France, qui eux aussi sont très dépendants de l'industrie de la mode qui est forte. Et donc, pour avancer, comment est-ce qu'on a fait ? On a contourné les États en allant travailler avec les entreprises. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Parce que maintenant, quand je parle à des pays étrangers, quand je parle à mes homologues ailleurs, hors de l'Europe, ben, ils ont beaucoup plus conscience de cette question-là. Si on avait voulu un bon traité international, bien dans les cordes, etc., franchement, dans 30 ans, on y était encore. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer sur un traité international sur le plastique. Pas du tout. Il faut simplement mener toutes ces initiatives-là de front. Il faut mettre, en fait, il faut allumer tous les feux et puis faire en sorte qu'il y ait des plats qui soient cuits le plus rapidement possible. Je m'enfonce un peu dans cette explication, mais j'espère que vous voyez un petit peu quelle est notre approche.
C'est très clair. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je me permets merci de vous remercier. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à nous quitter quand vous le devez. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Leone. Gaetano, thank you very much for the patience. I just wanted to be sure that we have all the questions addressed to Madame Poisson being answered by her as much as she could. So thank you very much for being with us. The key element that you can bring to the equation is really in continuity with what Madame Poisson has just been saying about how we can coordinate governments at a supranational level. And as I said, you are the coordinator of the Mediterranean Action Plan, which is attached to the United Nations Environment Program for the Convention on the Barcelona Convention on the protection of the Mediterranean Sea. And so my first question would be, before getting into your daily work, which is about cooperation, coordination, public policies, could you tell us a little bit your assessment of the level of pollution from plastics in the Mediterranean? What is the scale, the magnitude of the challenge? Thanks a lot, Sebastian, and it's very nice to be with you and celebrate together with this discussion the World Oceans Day, which is today, 8th of June. So, what do we know? We know, let me start with two very obvious things. One is that the Mediterranean basin is one of the most marine litter affected areas in the world. The other thing is that, and I'm stating the obvious, plastic waste, marine litter, are byproducts of human activities. So just to put it in context, around the Mediterranean, there are more than 500 million people living here. This population has doubled since 1970s. One out of three people in Mediterranean coastal countries live on coastal regions. And in addition to this, we receive every year about 350 million tourists. So, I mean, it's obvious that the impact that this exponential increase of population and of human activities that rely on the natural resources of the sea can only be, beyond really a scale that you don't see in other regions in the world. So I'll give you a few figures afterwards, but I mean, I want to focus on the root causes of the plastic pollution, especially in the Mediterranean: increase of plastic use, unsustainable consumption patterns, ineffective or inefficient waste management, and especially plastic waste management. The sources, as I said before, coastal urbanization, insufficient solid waste disposal, tourism, leisure activities, fishing, shipping. Consider that more than 20% of global maritime traffic passes through the Mediterranean Sea. And so as a result, it's what I said before, the Mediterranean has become one of the most marine litter affected areas in the world, with one of the largest amount of floating litter recorded everywhere, with half a billion, that is 500 million items of plastic that are lying on the Mediterranean seafloor, with densities that sometimes go beyond 100,000 items per square kilometers. Some of the highest concentrations of microplastics at surface. And then an impact, of course, on the environment, which is extraordinary. Of the, just to pick one species, which is very emblematic in the Mediterranean, the turtle, Caretta caretta, it's seen that up to 80% of individuals are affected in some areas around the Mediterranean. So, I mean, just to say, the situation is very, very serious, and COVID will make it worse. I mean, only Italy, the country where I come from, during the current lifting of the lockdown phase, it's estimated that it will need more than a billion masks and half a billion gloves per month, according to the University of Turin. So where is all this going, especially in places where already the waste management is absolutely insufficient? Now, since we are talking about knowledge, and I'll stop here, Sebastian, but I think it's important to see that in the past few years, there has been a lot of investment in science, and we all know the great work that Tara, for instance, is doing.
Yet there are still many knowledge gaps. We don't know enough about microplastics. We don't know exactly what the impact on biota is. We don't know what the impact on human health is. We don't know enough, I believe, of socioeconomic costs, which is really crucial in a region like the Mediterranean, where hundreds of millions of people depend on activities that depend on natural resources of the sea. And so, and in all these, and I'll close here, UNESCO says that, Madame Poisson spoke of the superior of the environment, superior of the ocean, but in fact, UNESCO tells us that it's less than 4% of the total research and development expenditures worldwide that goes to ocean science. So when we talk about knowledge, we also need to realize that ocean science is big. It's a multidisciplinary science, requires large human resources, costly equipment, and yet the amount of resources invested into it is absolutely minimum. So, I'll stop here. We can continue. Okay, yes, thank you very much, because I think where you might want to go to is now in terms of action, policy, from the government and local authorities around the Mediterranean, you pointed at a lot of mismanagement or insufficient management. And my question would be twofold. First, I think that as Glenn has stated, in the framework of the Barcelona Convention on the Mediterranean, you now probably have a protocol on waste management that normally should lead to governments developing their waste management systems. So the second part of my question is, if this is true, then how to cooperate better for a better implementation and a better enforcement of those laws. And I just want to mention one question from the chat that was about Haiti, the country Haiti in the Caribbean, where the person from the chat, professor in Reims, was saying, when you have a state that fails to provide waste management services to the population, what should we do? How can we help such governments? Yeah. And I believe that in the area of the Mediterranean, you have such governments that have many other things to deal with, like wars, etc. So how do you see the possibility that international cooperation will help enforcement and implementation of those waste management directives and laws? Yeah, okay. Well, let me start with one thing that you said, Sebastian, and it's coordination, because that's what we are about. I mean, also as my own initiative, the initiative to which I belong within the United Nations, which is the Barcelona Convention, the Mediterranean Action Plan, we are all connected. And COVID-19, I believe, is a sharp reminder of that, how all intimately connected we are to each other and to nature. At the same time, we are going through a crisis of multilateralism. I think there is no doubt about that. And you at IDRI explore this better than me and than many others. There is a crisis of multilateralism, of the idea of associations of nations. There is a growing mistrust for any form of scientific authority. There is almost, how can I say, an attempt at negating the idea that the entire world exists outside of our own small world. So all this to say that, I'm a strong believer, obviously, that I wouldn't otherwise work for the United Nations, that collaboration is key to any sort of response. And the Barcelona Convention, the system that we have in this regional sea is something that goes back 50 years, and it is made of the governments of the riparian countries, in our case, and the European Union, our partners, the UN as a secretariat. Then there is an aspect which is the regulatory one. So we have, as you said, the protocol, but we have the convention itself. We have decisions, action plans, which are legally binding. And that is the key element that defines it. So these are commitments that governments make and to which they are bound. They translate into national legislation. And then finally, there is a capacity also to act and move forward with projects. So I'm saying all this because this is the framework within which the regional plan for marine litter management in the Mediterranean has been approved by the Mediterranean countries. I don't know if we have enough time, maybe afterwards, to talk about some of the achievements, but a plan like this contains specific measures, time frames, responsibilities,
and budgetary information. And it is an instrument of cooperation. We are now entering into the second phase of the regional plan to update it to, because it was approved in 2013 and many things have happened since then. But there are other cooperation frameworks. There is obviously, there are the global multilateral environmental agreements. We mentioned, I think it was Glenn who mentioned the Stockholm, the Basel Conventions, the Biodiversity Convention, etc. There is the framework of the G7, of the G20. There are the relationships within UNEP that we have with all the other European regional seas, and we work with the European Union and its instruments on plastics, etc. But we all know also that Mediterranean, and this takes me to the question about Haiti. I mean, the Mediterranean is not made of EU member states. In fact, the majority of governments around the Mediterranean basin are not EU member states. And this is a peculiarity of our region. But at the same time, it also shows that the opportunities that exist, because that's where the cooperation between North and South. And let me say that even in the South, we find incredible sources of knowledge, of resources, of leadership examples, good examples, political examples, etc. With all the complications of the Mediterranean, still that form of cooperation manages to bring in between a country like France, and we've heard Madame Poisson speaking of the advanced model of policy making that exists there and what is being done, and countries that are indeed in conflict, such as, well, I don't know, Libya, Syria, we can mention here, and others. So there is nothing like Haiti, I'm afraid, and I don't know the situation of Haiti, that's really on the other side of the world. But in my mind, it's only solidarity and collaboration that can help a country where, as you say, you know, failed state. I don't know if Haiti is such a thing or not, but a hypothetical failed state cannot possibly afford all this by itself. And this is where, and in fact, I don't think any government, not even France, can afford this, an issue such as marine litter in its own, with its own capacity. So there is, and that's why regional seas come in and the global initiatives come in. Now, in terms of waste, let me also give you another example of, the bad news is that some of the largest amounts of municipal solid waste generated annually per person occur in the Mediterranean Sea. Of these, less than one third of the plastic waste produced in the Mediterranean, less than one third is recycled, of the waste, and plastics recycling less than 6%. So these are figures that are scary. And think that in the Mediterranean Sea, there are at least two G7 countries. So we are not talking here of the poorest region in the world. And so what we are doing, and I can give you this example in 2 minutes, and then I will stop. We have now an initiative which is called the MED program. In addition to all the protocols and the plans for 50 years of working on pollution that we've put in motion, but now we've shifted to a different approach. So the MED program, is a $43 million initiative paid by the Global Environment Facility, which its main component is reduction of land-based pollution in a number of coastal hotspots. Of course, we are talking of the southern and eastern Mediterranean shore. But the innovation here is that it's not anymore only pushing government to create national action plans, to help them with the implementation, etc. We are looking beyond that, and we are looking at investments afterward, because otherwise all those policies will not work, will not have any impact. So with this 43 million, we have the commitment of EIB and EBRD, so the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, to invest 700 million afterward in the form of loans, granted, but still, this is huge amount of money to dispose thousands of tons of pollutants
50 tons of mercury, developing transboundary diagnostic assessment, including on gender, helping the Nile Delta, creating, working in coastal hotspots in Lebanon, etc. So let me stop here for now, because I'm sure you want, I mean, we need to talk about the future too. So. No, I mean, yeah, thank you very much, because it's good to have a proper diagnosis of what has been achieved or what is underway, and not just say we are not at scale, because of course there is already a lot being done. I think the last question from that links to a question from the audience that I wanted to ask you is let you come back a little bit to the multiplicity of layers of conventions that you mentioned. So one of the questions from the audience is to say, but isn't that too many? Isn't there a proliferation of tools? Yeah. And so asking you the same type of question that I asked Madame Poisson. What do you think of the idea of a global treaty? What would you need some help from global scale instruments for a better implementation in the Mediterranean? Yeah. Look, I gave you the context saying that, at least in my humble opinion, there is a crisis of multilateralism. And I will push the question one step beyond, because I think the real question here is enforcement. It's not the number of instruments that we have, that governments have signed. It's how to enforce them. Because that's the reality. So the fact is that within the United Nations, for instance, we do not have a system. We work on it. In fact, in the Barcelona Convention, we have a compliance mechanism. It has taken us 10 years to simply make it take off. A compliance whereby civil society, ourselves, or one government can say, you know, what's happening in that specific place in the Mediterranean is not in line with the Barcelona Convention. And so it starts this legal review that should bring to a political, because it boils down to that, it's only political. We cannot, the enforcement that we can take can derive either from pressure of public opinion or from peer pressure from other countries. And to me, this is the fundamental, it's not the number of the mechanisms, it's not the number of the conventions that exist. I also am becoming very impatient with the number of action plans, the number of strategy. People's interest switches off, governments forget them, they end up on shelves. But at the same time, I have to tell you that in 50 years almost of Barcelona Convention, we have seen the impact that such a mechanism has. So where there is merit, where there is the capacity, and I'm not talking of our capacity as a secretariat, but where there is the impact because public opinion is mobilized, where there is the commitment, that commitment which is political becomes then real in terms of action on the ground. So in general, in terms of the discussion that is ongoing. Well, that's a discussion that is about ocean governance. I mean, we all know, you know, we know more, somebody says we know more about space than about the oceans. And when we, the more we know about oceans, the more we know about the resources that are in the oceans. And obviously, this is an extremely politically charged and difficult argument to tackle. So for me, I will not say, I know we are following the negotiations very, very carefully, all the governments, there are positions in favor, against a global, another global convention. What I want to say is that we don't want marine litter to become an issue in itself. I mean, I don't want marine litter to be seen as the way we have, you know, climate change, we have biodiversity, we have marine litter, we have desertification, we have this list of issues that of course surround us. Each one of them has a multilateral agreement attached to it. And they do a great job, and I'm not denying that. But what I'm saying is that what we need is integration. And I can tell you that at the regional level, that integration happens. Because in the Barcelona Convention, with the small resources that we have, we work on marine litter because we work on biodiversity, because we work on tourism, because we work on pollution, because we work on shipping, because we work on sustainable consumption and production. So it's a dimension in which I believe
the integration of the approaches, the analysis, the understanding, the knowledge, develop in an easier way, because there are shared problems in the region and because there are shared resources and shared responses that are needed. So in conclusion, you know, I will not say if I'm in favor or not. We are certainly following it, and it should there be a decision. Of course, UNEA is already in itself, the United Nations Environment Assembly, is already in itself a global forum for this type of discussion. And what I want to advocate is that regional seas have the capacity and need to be recognized as crucial governance mechanisms for the oceans. Thank you very much. Merci beaucoup, Gaetano. I have other questions for you from the chat, but je vais essayer d'abord de me tourner un peu vers Leïla et Glenn pour organiser les questions du chat. On a un certain nombre de questions scientifiques et techniques sur lesquelles je vais exercer, voir si vous pouvez exercer votre sagacité et votre connaissance. Ça s'adresse beaucoup à Leïla. Glenn, n'hésite pas à répondre. Gaetano, n'hésitez pas à répondre aussi. Je pense qu'on a quelques questions sur est-ce que les effets d'éponge à polluants que vous avez pointés, Leïla, ne pourraient pas être différenciés selon les types de plastique. Et peut-être que cette question nous mène à dire est-ce que c'est utile de différencier les types de plastique pour différencier des types qui seraient plus ou moins dangereux ou plus ou moins nocifs. Et on a aussi un point, je vous livre quelques questions comme ça qui sont... Elles sont toutes différentes, mais je me permets de vous les livrer pour voir celles sur lesquelles vous pouvez nous aider à mieux comprendre. Je pense qu'il y avait une question aussi de vous demander de dire quelques mots supplémentaires sur les impacts sur la santé des microplastiques pour qu'on comprenne un peu ce que vous savez déjà sur ce sujet-là. Et puis, un des participants se dit, mais j'ai vu une étude récente dans Science qui dit qu'en fait, les textiles envoient plutôt beaucoup plus de cellulose que de plastique dans l'océan et qui donc reviendrait un peu à remettre en cause l'importance de la pollution due à l'industrie textile. Est-ce que sur ces trois points-là, vous auriez quelques éléments de cadrage ou de réponse à nous donner, Leïla? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par le premier. Donc, la grande question de savoir est-ce que certains types de plastique permettent l'absorption en fait, de certains types de polluants. Est-ce qu'il y aurait un bon plastique par rapport à un mauvais plastique? Ça, c'est une question auquel aujourd'hui, on n'a absolument aucune réponse, puisque les analyses sont toujours en cours. Donc, on sait que sur la plupart des plastiques sur lesquels on a pu mesurer ces polluants à leur surface, on sait que certains sont plus résistants dans l'environnement. Comme ils durent plus longtemps, potentiellement, ils peuvent conserver et porter plus longtemps ces polluants également. Donc, effectivement, ça permettrait de les classer. Aujourd'hui, ce sont des analyses qui sont réellement en cours. Donc, on n'a aucune idée de si certains types de plastiques sont plus porteurs de polluants que d'autres. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est qu'effectivement, certains types de plastiques vont durer plus longtemps dans l'environnement. Et donc, pour effet, leurs effets vont être forcément plus délétères que d'autres. Donc, ça, c'est très clair qu'on a certains types de plastiques qui sont plus gênants que d'autres. Et comme on a pu l'évoquer plusieurs fois, et ça n'a pas été évoqué ici, mais il faut savoir que les plastiques, aujourd'hui, on estime... C'est 8 millions de tonnes qui se retrouvent dans l'eau. En fait, c'est la partie estimée comme plastique flottant. Donc, ce sont les plastiques flottants à la surface des océans. Or, ils représentent 1% des plastiques seulement. Donc, ça veut dire que les autres sont dans le fond. Et donc, ces 99%, pour l'instant, on n'a pas de vraie vision en fait, sur leurs impacts. Et à l'idée de la question de est-ce qu'on peut aller demain essayer de les retirer et retirer l'effet de ces plastiques sur l'océan. En fait, on peut se dire que l'énergie, le temps, tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour essayer d'aller les retirer serait extrêmement exorbitant par rapport aux mesures qu'on peut faire aujourd'hui sur la Terre. C'est-à-dire qu'avant de vouloir nettoyer les océans, on a besoin d'endiguer le problème aujourd'hui à Terre et de couper en fait, le robinet pour éviter que ces plastiques arrivent dans la mer en permanence. Après, l'impact sur la santé, alors ça, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, les mesures réellement faites sur la santé humaine, on n'en a pas. On en a très peu, en fait. Par contre, on sait que certaines personnes ont accepté d'être testées pour savoir si oui ou non ils en avaient absorbé. Et sur ceux qui ont été testés, c'était dans un congrès de médecins. Et ils ont malheureusement trouvé que tout le monde avait été contaminé. Donc, ce qui prouve bien que ça passe dans notre système et qu'on les absorbe. Et on a pu, par contre, les mesurer dans des produits alimentaires. Donc, on en a retrouvé dans le sel de mer, on en a retrouvé dans des bouteilles d'eau minérale.
On en a retrouvé également dans des produits de la mer. Donc, c'était attendu dans les produits de la mer, donc dans les crevettes. Donc, dans les fosses de Marianne, on a retrouvé des crevettes, 98% qui présentaient des microplastiques dans leur système digestif. On en a retrouvé également dans des gros poissons, des gros mammifères. Bon, ça, c'était plus attendu. Après, les nanoparticules, eux, pour l'instant, on est en train d'essayer de mieux comprendre quelle est leur quantité absorbée dans les organismes. Pour l'instant, on a très peu d'informations. Comme je le disais, 10 ans de données scientifiques, ce n'est pas assez. Donc aujourd'hui, on a très clairement, nous, besoin d'avancer en fait, notre connaissance et d'aller plus loin vers la détection du plus petit, de plus en plus petit. Pour les effets, en tout cas, sur les organismes marins, donc ça, par contre, ça a été étudié. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites à court terme et à long terme. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ça avait des effets sur tous les processus physiologiques des organismes marins. Donc, on en a retrouvé, ça va impacter sur la reproduction des organismes, leur système immunitaire, leur taux de développement cellulaire. En fait, ça a des conséquences d'un point de vue général sur l'organisme, en touchant en particulier un compartiment qui est le compartiment de l'énergie. Puisqu'un organisme qui va avaler moitié de plastique, moitié de sa proie normale, va dépenser une énergie importante pour faire ce processus de digestion. Et en fait, il ne va pas retirer grand-chose, puisque du coup, la moitié n'était pas assimilable. Donc, ça veut dire qu'il a dépensé de l'énergie pour réussir à se nourrir, qu'il n'arrive pas à assimiler. Ensuite, il va falloir s'en débarrasser. Et donc, finalement, ces organismes, à la fin, meurent de faim, l'estomac plein. On peut se dire que sur nous, étant donné qu'on mange aujourd'hui ces organismes, puisqu'on mange des crevettes, on mange des produits de la mer, on mange du poisson, et vous pourriez vous dire, dans ce cas, je ne mange plus des produits de la mer, c'est à quoi je vous répondrais, non, parce qu'en fait, vous allez en retrouver partout ailleurs. Parce que même les autres organismes qui sont au niveau terrestre sont touchés également par cette pollution plastique, puisque typiquement, vous voyez, le compost aujourd'hui contient du plastique et ensuite il est relargué en fait sur les terrains. Donc les agriculteurs payent pour avoir un compost qui est pollué en fait par du microplastique. Et après, il peut potentiellement remonter encore une fois dans la chaîne alimentaire. Donc du plastique, il est partout, il est dans les emballages, il est dans les aliments eux-mêmes. Et les impacts sur notre système aujourd'hui, on sait que ça impacte les autres. Potentiellement, ça peut nous impacter aussi. On ne sait pas jusqu'à où et on ne sait pas si cet impact il va toucher des polluants chimiques. Est-ce que c'est le plastique ou est-ce que c'est des pathogènes qui vont être transportés par ces plastiques qui peuvent être encore pires que ce qu'on avait prévu. Et enfin, le dernier point sur le textile. Oui, effectivement, on retrouve des fibres de vêtements à peu près partout sur nos côtes en particulier. Donc, c'est ce qui ressort beaucoup des effluents. Donc, du coup, on s'attend à retrouver ces fibres partout sur les côtes et ils ont des impacts relativement forts en fait, sur des organismes marins. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pareil, ça fait partie des traitements en cours qui ont pu être échantillonnés dans les différents fleuves, donc les 9 plus grands fleuves européens sur lesquels nous avons travaillé. Et aujourd'hui, on essaye d'identifier effectivement ce qui était de la cellulose, donc de l'organique, par rapport à ce qui était réellement du plastique. Peut-être une dernière question, Leïla, mais n'hésitez pas, Gaetano ou Aglen, à intervenir sur celle-ci. Il y a plusieurs questions sur les plastiques biodégradables qui ont été longtemps présentés comme la solution. Est-ce qu'il faut en avoir, et notamment quand ils sont issus d'algues ou de résidus de végétaux, donc pas, en essayant d'imaginer qu'il ne s'agit pas d'un problème, qu'on ne reporte pas le problème environnemental en amont, là où on produit les matières végétales correspondantes. Mais est-ce que vous auriez un avis sur est-ce que les plastiques biodégradables sont une solution à la fois du point de vue de leur impact sur l'océan ou sinon d'un impact environnemental plus global? Leïla, je vous laisse répondre et puis après je passerai peut-être à Gaetano ou Glenn. Alors en fait, je peux avoir deux points là-dessus. Alors le premier point, c'est qu'on a aujourd'hui au niveau européen un problème de normes. C'est-à-dire le mot biodégradable, aujourd'hui il a été mal employé et on a certains plastiques qui ont été considérés comme biodégradables qui n'étaient pas. Il n'était pas dans le compost, il n'était pas non plus au milieu marin. Il était dans certaines conditions très particulières, donc on a le compost industriel par exemple, mais en fait, si ces plastiques-là se retrouvaient dans l'environnement, ils n'étaient pas biodégradables. Donc l'idée du plastique biodégradable, pour nous, n'est pas à rejeter, puisque c'est une vraie idée, c'est une vraie solution, surtout si elle utilise de la matière qui est biosourcée, qui est liée à du développement durable, c'est le cas effectivement de l'algue. Certaines bactéries aussi sont capables de produire en fait, du plastique, peuvent s'en servir pour fabriquer du plastique. Et ces plastiques-là sont les. Aujourd'hui, on essaye d'avancer sur ces plastiques biodégradables et de favoriser des nouvelles normes de biodégradabilité, de tests de biodégradabilité des plastiques au niveau européen pour favoriser les nouvelles générations qui, elles, seraient biodégradables. Après, attention au mélange, c'est-à-dire lorsqu'on mélange deux plastiques d'origine différente, c'est-à-dire le premier il peut être biodégradable et le deuxième ne l'est pas. En faisant ça, on fabrique en fait des plastiques, ce qu'on appelle nous des copolymères.
on fabrique des plastiques qui vont avoir une tendance à se dégrader en partie, mais l'autre partie reste présente et favorise du coup la multiplication des microplastiques, ce qui n'est clairement pas du tout une solution dans le futur. Donc aujourd'hui, c'est quand même une voie scientifique qui est en cours. On a énormément de chercheurs en France et ça implique des chercheurs du groupement de recherche qui s'appelle Polymères et Océans, qui travaillent exclusivement sur ces questions des plastiques qui vont vers la mer et des processus de biodégradabilité. Eh bien, ces plastiques-là peuvent être développés, mais ils doivent être mis en œuvre en même temps une loi qui permette de valider leur biodégradabilité en mer. Merci beaucoup, Leïla. Je vous ai soumis à un feu roulant de questions. Vous avez été imparable. Bravo pour tout ça. Je me tourne rapidement vers Glenn et puis je reviendrai vers vous, Gaetano, parce que l'heure tourne. Je vous préviens déjà que je vais fonctionner comme ça. Glenn, je ne sais pas si tu as des réponses à ces questions-ci, mais on a des questions sur le chat qui disent finalement, est-ce qu'il y a des zones géographiques particulièrement émettrices ? Leïla pourra peut-être venir à ton secours. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un problème méditerranéen et un problème sud-est asiatique, par exemple, ou alors est-ce qu'on peut dire il y a des secteurs industriels particuliers qu'il faut cibler, ce qui permettrait un peu de se dire les points ne sont pas forcément d'avoir un accord international sur les plastiques, mais on peut cibler des régions et des secteurs. Ce qui me permet de te demander, Glenn aussi, et finalement, Madame Poisson et Gaetano ont donné chacun leur avis sur cet accord international sur les plastiques. N'hésite pas à dire quelques mots sur la manière dont nous, à l'IDRI, on analyse l'utilité de cet accord international par rapport à d'autres options qui sont sur la table. Moi, je commence en ajoutant un point général sur la dernière question. Et moi, je pense que nous devons toujours être un peu sceptiques vis-à-vis des solutions technologiques à n'importe quel problème, mais comme le plastique, parce que nous ne pouvons pas résoudre la source du problème en créant juste un nouveau type de plastique. Donc, il faut vraiment changer les systèmes de production, d'emballage, emballage et tout ça. En termes de région mondiale, si je comprends bien la science, c'est difficile d'identifier des régions spécifiques parce que il y a beaucoup de mouvements entre les fleuves, des régions différentes. Donc, évidemment, dans une région un peu plus fermée comme la Méditerranée, c'est plus facile d'identifier les sources. Mais dans les autres régions, c'est un peu plus partout, la pollution. Et finalement, en termes d'industrie, je ne sais pas s'il y a une industrie spécifique qui est responsable pour plus de déchets que les autres. Mais évidemment, les bouteilles en plastique, les emballages d'usage unique sont partout. Donc, c'est plus, le problème est plus le système qu'une entreprise spécifique ou une industrie spécifique. Je crois. Je vais compléter. Effectivement, identifier des industriels en particulier, ça semble assez compliqué. Mais par contre, dans les dernières mesures qui ont été effectuées, qui sont liées en particulier au protocole de comptabilité des plastiques sur les berges et sur les plages, donc c'est relié à ce protocole OSPAR dont je parlais plus tôt, et on a pu effectivement identifier que que beaucoup des déchets produits représentaient à 40% des emballages alimentaires. Donc, on sait que les emballages alimentaires sont très présents, en fait, et se retrouvent beaucoup, en fait, sur les berges et dans les rivières. Après, il y a certaines zones qui ont été mises en avant par rapport à des mesures qui ont été faites sur le terrain. On a retrouvé énormément de déchets plastiques. C'est le cas, effectivement, de certaines zones d'Asie. Après, il faut bien se rappeler aussi que si la pollution plastique est extrêmement importante là-bas, c'est parce que beaucoup des déchets qui provenaient des autres zones, donc de l'Europe, des États-Unis, ont été transférés joyeusement dans ces endroits-là. Et des villes entières ont été recouvertes en fait, de plastique dans lequel des gens ont changé de métier. Et au lieu d'être paysans ou de travailler dans les rizicultures, ils sont venus trieurs de plastique pour 3 euros la journée. Donc, c'est vrai qu'on a eu un transfert comme ça qui a été extrêmement important. Aujourd'hui, les frontières dans beaucoup de pays, elles sont fermées. Et donc, il y a un déplacement en fait, de certains déchets vers d'autres. Et en gros, on demande aux pays de récupérer en fait leurs déchets. Ce qu'il faut qu'on mette bien en œuvre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, on puisse collecter nos propres déchets, qu'on puisse nous-mêmes s'en débarrasser et le retrouver soit de mettre en place de la consigne, soit de mettre en place du recyclage ou d'autres matières. Et qu'il faut aujourd'hui, dans un premier temps, surtout réduire notre quantité de plastique utilisé, puisque cette surproduction en fait du plastique, finalement, quand on regarde l'histoire, elle n'est pas si récente, enfin, elle est assez récente, puisque ça date des 15 dernières années seulement. Donc, on peut vraiment imaginer aujourd'hui que ce sont nos usages qui peuvent d'abord être touchés.
en, par exemple, en limitant l'utilisation de plastique là où clairement il n'y a aucune vocation. C'est le cas des bouteilles, c'est le cas de l'emballage alimentaire. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent facilement en fait, être changées et où les gens seraient relativement volontaires en fait, pour le faire. Merci beaucoup. Je regarde l'heure qui tourne. Glenn, est-ce que tu veux nous dire un mot sur ton avis sur l'articulation entre le possible traité international et les autres options existantes que tu avais évoquées dans ta présentation? Oui, je pense qu'il y a toujours une valeur, même si c'est difficile à ce moment de conclure un traité dans le monde qu'on a, mais il y a toujours une valeur en termes de mettre la lumière sur un enjeu en particulier pour mettre en place des objectifs internationaux, pour ajouter un peu de financement et coopération entre les États. En termes d'articulation entre un possible accord international, bah, ça dépend évidemment dans la façon qu'on négocie un traité, si on veut le faire. Mais ce que je peux voir, il y a, par exemple, de mettre en place des objectifs ou des financements, ça peut être en fonction d'un traité international. Mais évidemment, pour l'implémentation de ces règles, c'est toujours pour les États. Et évidemment, comme Gaëtoni a dit, c'est une question de coopération entre les États et pour changer et financer des nouveaux systèmes d'emballage, de recyclage et vraiment faire un focus sur l'économie circulaire. Donc moi, je peux voir un rôle pour un traité international en termes de soutenir les initiatives nationales et régionales et pour mettre la lumière sur cet enjeu. Mais c'est vraiment difficile, je pense, de parvenir à un accord multilatéral dans ce moment. Je pense que vous êtes tous les trois qui vous êtes exprimés sur ce sujet assez d'accord sur le fait qu'il faut continuer à en parler, mais même si on n'a pas forcément l'espoir de le négocier en tant que tel. Gaëtano, donc Leïla et Glenn, je me permets de laisser les quelques minutes qui restent à Gaëtano. Je m'excuse, j'ai plusieurs questions. On va probablement dépasser de quelques minutes 16 heures. D'abord, il y a une question du chat sur l'idée que dans certains pays du sud de la Méditerranée, imposer une substitution du plastique à des petits pêcheurs, par exemple, qui utilisent des filets en plastique, finalement ça a un coût important et que c'est difficile, il va falloir trouver un espèce d'arbitrage entre l'impact socio-économique de la substitution, est-ce qu'on peut les aider, et donc ça c'est une première question. La deuxième question c'est est-ce qu'en Méditerranée vous avez une solution face à l'impact du Covid, tous ces masques et ces gants que l'Italie, l'Espagne, la France risquent d'envoyer malgré leur système de gestion des déchets vers la mer, est-ce qu'il y a une mesure d'urgence qui serait potentiellement à prendre? Et puis, il y a une question aussi importante sur le rôle de la coordination avec les industriels de la part de la coordination internationale que vous représentez. The floor is yours for last words. Thanks so much, Sébastien, and thanks for those who have posed this very, very interesting question. Okay, so the first one about the small fishermen. The problem is not that they use plastic. The problem is that the fishing gear gets discarded, abandoned, lost into the sea. So that is the issue. This is the same, argument for many other things where we use plastic. And let's not forget that plastic is one defining material that has allowed us to move forward in terms as a civilization. So I think here, like in other cases, the problem is not the use of plastic, but the problem is what we're doing with it afterwards. So we do work with fishermen on several aspects. One is the entire discussion on the abandoned and lost, discarded, fishing gear with FAO is in a long process now trying to introduce an obligation to mark fishing gear so that we know. These are obviously partial solutions. There is a need for further education. There is a need for port authorities to take back at no cost
the litter that otherwise is found at sea, including fishing gear. So there are many things that can be done without penalizing a specific economic activities that is already in itself in the Mediterranean, such as the small scale fishing, already very, very largely impacted. So that is one thing. The other thing is, I believe the second question was about, the third one was about the industry. The second one was, tell me again, Sebastian. About the possible surge in plastics due to COVID, and if yes, there were any capacity to have an emergency action. It's we don't know, honestly. I'll tell you very, very honestly. We are now developing within UNEPMAP our own strategy to respond to COVID in a situation where already, as I said at the beginning, there are such large quantity of plastics that are plastic waste that are not properly managed. I think this additional, all I can tell you now is that there is, it's a huge problem, and that we are going to look at it with the governments. I think Madame Poisson already spoke to some of it, of this issue. For instance, she said a clear separation of what is this sort of health related type of items, but a lot depends also on individual behaviors, because, you know, I now that we start working outside, I see it on the sidewalks. I see one mask every 50 meters discarded simply there on the sidewalk. So there are a problem that already exists that is further compounded. But I think one important question was also the one on industry, because, you know, too often industry says the problem is waste management. And in fact, we know very well the problem is not only waste management, that there is a fundamental responsibility at source. And so plastic industry is very much committed and engaged. I do realize that often we speak to the converter. So within the plastic industry, we speak to those who are in the offices of corporate social responsibility. And of course they know, and they tell us what the proper things that we need to be told. We see that there are huge amounts of resources by the big plastic producers or the big bottling companies that are being invested into helping on marine litter. But I think there is a more fundamental help that is needed here, and that is technological. That is green design, eco design, that is helping with not only producing it, but also in changing a model whereby to have a glass of water for 20 seconds, you produce a substance that lasts for centuries. So I think the plastic industry has the resources and the capacity, the technological capacity, to help us find the solutions. And so I believe the narrative needs to be changed there a bit more. And we need to find, talking about enforcement, that's where also we need governments to make sure that that type of response gets developed with the public industry. But I want to, before stopping, I just want to say one thing, Sebastian, and it's the fact, going, you know, back to the wider picture of sustainability. I mean, we are now, with COVID, talking again about COVID, we have a once in a generation opportunity and responsibility to correct our relationship with the natural world. So, and that obviously includes the world seas and oceans. So this, you know, it sounds like a mantra, but it's the reality. We need to build back better. And so the focus must be on sustainability, on circular economy. There is no way around sustainable consumption and production if we are to emerge from COVID-19 with better prospects for a more sustainable future, for a more resilient future for humankind and for the world. So we need to stop the linear model of take, make, and waste. We need to look at how sustainability, and we've been talking about this for decades now, it's not anymore, you know, something to pay lip service to, but it's actually a principle that permeates everything that we do as individuals, as governments, as intergovernmental organizations, as civil society, etc. So for me, this is the fundamental message, which becomes even more urgent and pressing now in this crisis where we are, and because we just don't know how it's going to evolve.
Thank you very much, Gaetano. Merci pour ces mots qui sont en fait les meilleurs mots de conclusion qu'on pouvait avoir. D'une part, l'heure est passée, donc je n'ajouterai pas une conclusion supplémentaire. Je voulais juste vous remercier les uns et les autres pour la clarté de votre expression et aussi, j'aurais remercié Madame Poisson avec vous autres pour aussi la franchise sur là où sont les vrais problèmes, là où sont les solutions, la manière stratégique. Donc, il faut aussi qu'on agisse en coalition d'acteurs, en comprenant comment on peut essayer de convaincre, de travailler avec les convaincus et en même temps d'essayer d'embarquer ceux qui ne le sont pas encore. Donc, et la science en fait partie. Merci beaucoup, Laïla, d'avoir fait partie du panel. Merci, Gaetano. C'était un honneur pour nous que vous soyez avec nous. Glenn, merci beaucoup pour cet input et cette étude dont je vous conseille la lecture. Merci à tous les participants, à l'équipe de l'IDRI qui a rendu ce séminaire possible, ce webinaire possible. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci.